Hey, salut à tous les amis, c'est Keto de Charlatan France. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Memories of Prague. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir directement, ce n'est pas mon compte. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce sera une vidéo concours. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce compte? Bah écoutez, il y a pas mal de choses, mais le compte en lui-même n'est pas non plus ultra ouf. Hein. En ce moment, les comptes qu'on me donne, c'est pas des comptes. C'est pas là que je vais aller voir. Hein. C'est pas des comptes ultra super 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 ouf. Hein. Donc, on va aller voir un peu ce que c'est. Donc là, voilà. Alors ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, hein. Il n'y a pas grand chose, grand chose, grand chose. Si ce n'est que la Silica. Attendez, on va remettre peut-être en rarity. Voilà. Si ce n'est la Silica et sinon OS. La Silica SAO aussi qui est pas trop mal. Bon après voilà, beaucoup de choses à faire, hein, donc il va falloir monter beaucoup au personnage ici. Niveau armes, est-ce qu'il y a des limit break? Je ne sais pas, on va aller voir maintenant, on va aller voir sur la Silica. Donc là sur les skill slots à monter, enfin, les uncle attributs aussi parce que quelques niveaux 50. Donc il va falloir vous monter tout à 80. Et est-ce qu'il y aura un limit break ou pas? Non, il manque que juste 10 10 cristal hacking pour faire un limit break, donc c'est pas énorme. Vous avez quasi un limit break. Ensuite, en armes, qu'est-ce qu'on a en armes? En armes, bah, on a le gun de Sinon GGO, hein. Sinon Gun Online. Vous avez aussi la dague de Silica SAO. Voilà. Moi je mettrais plutôt la dague sous Silica SAO, ce serait dommage de mettre sous Figa, surtout que si on a ça. Vous avez une rapière 4 étoiles, une épée 4 étoiles. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des équipements là, mais bon, il y a quand même pas mal d'équipements à faire. Vous avez deux masses de Aegil aussi. Deux masses d'Aegil. Donc bien si vous tombez sur des personnages par la suite, ou alors même pour l'échange. Hein. Si vous voulez changer, avoir des armes spécifiques ici, vous pourrez les avoir. Voilà. Ensuite, niveau MD, est-ce que au niveau des MD, vous avez des choses à refaire? Alors déjà, mode histoire. Le mode histoire. Sur le mode histoire, je pense que c'est bon. Ça a été fait, donc là, normal. Ok. Et en difficile. Ça m'a l'air d'avoir été fait. Tout était fait. Et en extra quest, donc vous avez donc. Qu'est-ce que vous avez donc en extra quest? En extra quest, on a un nouveau. Vous avez le nouveau, mais bon, si on compte une semaine, vous pourrez encore faire avec plein de MD dedans le. Comment on appelle ça? L'Encrad. Vous aurez le temps de refaire aussi la Yuki 4 étoiles. Vous aurez le temps, si vous venez récupérer votre compte le jour même que vous gagnez l'événement de création, ainsi que l'événement Ordinal Scale. L'événement création du Yuna aussi qui n'a pas été fait à 100% apparemment, mais si vous voyez, il n'a pas été fait en EX ni en Master. Vous avez encore pas mal de MD à choper ici. Vous avez tout à faire ici. Aucun truc à faire. Aucun truc fait. Ici pareil. Aucun truc fait. Si ça a été fait, ça a été fait. Et puis voilà. Donc j'avais quand même pas mal de MD à choper. Sur ce compte, notamment dans les extra quests. Donc moi je vous conseille vraiment de pourquoi pas tenter votre chance.
que si vous ramassez pas mal de MD et que vous arrivez à avoir des bons personnages par la suite, ce groupe peut être très bien. Voilà, surtout qu'il y a déjà Silica et puis sinon, ouais, ce qui est déjà pas trop mal. Vous avez aussi une Filia et Silica et Sao, au cas où. Donc, je veux dire, c'est pas des personnages en soi très mauvais, mais pour bien commencer un jeu, c'est plutôt pas mal, je veux dire. Hein. Pour ceux qui voudraient se lancer dans le jeu et que... Ou alors ceux qui ont un compte en pire que ça et qui voudraient avoir un peu mieux, et bah voilà, il y aura juste des armes à faire et ce sera tout. Voilà. Donc ce sera tout, voilà. Et bah sinon, je vois pas d'autre chose de ce que je pourrais vous dire sur ce compte. Donc moi je vais vous laisser là. Donc si je rappelle les conditions de participation, hein. Vous likez la vidéo, vous la partagez, vous laissez un petit commentaire pour confirmer votre participation. Et enfin vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas fait. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse, c'était Kirito, à la prochaine. Salut.